Salut, c'est Thiab et on se retrouve pour la partie 2. En fait, là, c'est juste une petite parenthèse. En fait, ma machine à poulet dans l'autre, elle veut plus rien savoir. Elle fonctionne pas. Bah, elle fonctionne, oui, mais elle est pas supposée bugger comme café. Parce que là, s'il y a 3 œufs qui tombent, un des œufs, il part. Ce qui est pas normal. Ouais, certes, c'est sûr, certains qui vont aller. On va s'éloigner. Cette map-là, en fait, je m'en... En fait, c'est sur elle que j'ai joué première fois avec les blocs de slime. Ouais, ce système-là, vous devez le reconnaître si vous avez écouté mes tutoriels. Redstone, c'est la machine... la machine voilà. Il lag bien plus sur cette map parce que sur cette map, il y a une usine à arbres, il y a deux usines à mobs, une usine à fer ici. Mais la maison de Steelers, pour eux qui connaissent pas Steelers, c'est un youtubeur québécois sur l'ordi. Alors ça donne. Elle est quand même jolie ça, la maison qu'il fait. On va s'en approcher. C'est vraiment une petite affaire là. Ça va durer à peu près 5-6 minutes là. Une petite maison facile à reproduire. Je l'ai reproduit quasiment parfaitement, excepté que ça c'est de la neige, c'est supposé du quartz. Mais bon. Hein? Juste pour ça. Parce qu'en fait, dans mon nether, sur cette map, il n'y a quasiment pas de quartz. Oui, j'ai beaucoup de stuff en diamant. Il y a une tonne de diamants par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de quartz. Ça c'est en train de monter. En fait, ça va plus vite monter par l'échelle, mais bon. C'était juste pour le lol. Attendez. En fait, pour eux qui ont écouté la vidéo de présentation, ça veut dire la vidéo 0, ils l'ont vu. Voilà, ça c'est la machine. C'est la même machine. Exactement pareil. On va aller dans le système à l'arrière. Voilà. Ah, ok. Ok, ouais. Voyez, ici, il faut que je le fasse monter. Est-ce qu'il y a un tic sur le répéteur? Parce qu'en fait, non, il n'y a pas de tic. Bon, bah, ça, c'est bon. En fait, je comprends pas pourquoi celui-là, si je le mets en mode récupération d'œufs. Il y en a combien? Allez, hop, hop, on va ramasser les œufs. Sauf comme ma machine, comme vous voyez, ça produit des plumes en quantité, de la viande en moins grande quantité que les plumes, c'est sûr, mais voilà, on va juste mettre ça comme ça. On va ramasser un peu, de toute manière, comme je sauvegarde pas, c'est pas grave. Alors comme vous voyez, je me suis fait une petite salle ici. C'est vraiment juste pour pouvoir... voilà, comme vous voyez... Vous n'entendez aucun clic qui signifie que la machine est en train de toutes les emmener ici. C'est-à-dire qu'ils sont tous, il n'en a plus un dans le dispenser. Voilà. Ils passent. Comme vous voyez, ils passent. Ils se font aspirer tout de suite. Alors que dans l'autre, si j'en fais passer 3, il y en a un qui se fait détecter. Alors, en passant, sur cette map, j'ai tout fait en survie, étonnamment. Hein? C'est ça le plus étonnant. J'ai tout fait en survie, je suis mort je sais pas combien de fois pour faire cette usine à mob qui fonctionne assez bien, qui est de Steelers aussi. Ça, c'est Aurélien Sama, je pense, qui la monte. Ouais, ouais, c'est Aurélien Sama qui la monte. Là-bas, c'est une petite maison, je m'emmerdais. Là. Parce que là, sur cette map, j'ai tout fait. Alors, il me reste encore mon château à construire, mais bon. C'est une petite maison pour les invités qui est pas finie, pas en tout. Hop, voilà, l'escalier. Non, mais je suis pas un architecte, c'est pas bon. Alors, bon, on va se retrouver tout de suite sur la survie. Allez, à tout de suite. C'était juste vraiment pour voir la machine à poulet. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur la survie. Alors, et voilà. Ah, bah, cool. Là, en plus, du premier coup. Bon.
Alors, on arrange ça pour que ce soit pareil que mon système sur mon autre map pour des raisons pour être sûr et certain que ça fonctionne en fait. Parce que l'autre, ça m'a pris du temps à la faire. Et voilà, comme ça. Là, comme vous voyez, il y a beaucoup de poulets dedans. Je pense que je vais laisser ça à air ouvert, comme ça, pour tout le temps y aller, pour y avoir accès. Sinon, à part ça, pendant cet épisode-là, j'ai dit qu'on allait dans le Nether. Alors, on va y aller. On va juste CV avant. Et, ben, si je meurs, ben, je meurs, mais. Voilà, alors ça, c'est des potions de vision nocturne. Pour les obtenir, hein, c'est assez simple, hein, vous faites une carotte dorée et vous la foutez dedans. C'est assez simple. Hein. Et si vous voulez la prolonger, comme moi je vais faire, parce que je suis assez tanné de me traîner des stacks et des stacks de torches. Je vais me promener avec 5-6 potions, ça ne me dérange pas. Là, de toute manière, avant d'y aller, on va juste faire quelque chose. J'ai-tu encore des livres? Chute amortie 2, ça pourrait être pratique dans le Nether, mais bon. Ça. Le bois d'épicieuse, on va le garder. L'œil, on le garde. Et voilà. Bon. Alors, oui, ça va être long légèrement. Alors, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo pendant quelques minutes, une minute et demie. C'est juste le temps en fait que je fabrique des livres. Ellipse là. Ou quoi que bon. De toute manière c'est juste un enchant, c'est juste pour pouvoir prendre le portail là et l'envoyer là bas et surtout ça se peut que je sois obligé de alors là dessus que je sois obligé de reconstruire ma maison là bas alors j'ai un P2 ST2 toujours bon. Oui, bon, j'ai mal fait là, mais bon. Efficacité 1, efficacité 1. Et j'ai efficacité 2. On va se lister 3, il me faudrait 28 niveaux. Ouais, hein? Faut pas charrier. T'as pas un peu de charbon? 4, 5, 6, voilà. Là, je me fais des torches. En fait, je pense que ça va être pendant l'autre épisode qu'on va y aller dans le Nether. Hop. Et, je fais du P1 maintenant. Archer des profondeurs. J'ai tellement envie de l'avoir. En fait, c'est juste parce que je l'ai jamais. Sur mes bottes en partant en plus. Efficacité. Solidité 2, c'est pas bon. Et lui, c'est. Marcheur des profondeurs. Quoi? On va le prendre, le marcheur des profondeurs, parce que je l'ai jamais. Juste parce que je l'ai pas. Voilà. Et voilà. Avec une solidité 1. Et en plus. Comme j'ai un livre efficacité 2, il est. Ah, c'est pas pire, j'ai un P2 en plus sur mon marcheur des profondeurs. Alors là, j'ai une efficacité 3. On prend mes bottes. Non, on va prendre l'armure qui est là, et on va l'enchanter plus tard.
On va aller redéposer le lapis. Je pensais que ça aurait été plus long. Bah comme je... Allez. Je le fais-tu pour? Voilà la question. Ah oui, et aussi, pendant que je pense, je cherche un nom pour cette série, parce que là, écrire tout le temps nouvelle série, mais au bout de 30 épisodes, disons que c'est plus vraiment nouveau, hein, comme série. Alors, si vous avez des idées de noms, qui pourraient être intéressants, là, pas des conneries, là, parce que je vous dis tout de suite les conneries, là, je les accepte pas. Quoique, si c'est une bonne connerie, une bonne joke, on sait jamais, ça peut toujours être ça, le nouveau nom. Je vais prendre en compte tous les commentaires. Hein. Si vous en laissez, ben, vous en laissez un. Hein. Ouais. Bon, allez. Juste parce que là, j'ai quasiment rien fait pendant cet épisode-là, à part vous montrer mon usine à poulet. Je vais faire une légère ellipse, juste pour voir qu'est-ce que mon chien il fait, là, parce que là, il fait du bruit, et je pense qu'on va l'entendre sur la vidéo. Voilà. Alors, on va juste... hop. Et voilà. Ouais, habituellement, le coffre de laine, il vient là. L'escalier monte là. Voilà, l'escalier vient là. Et ça vient là. Voilà. Il manque juste le coffre de laine et pour... Ah, ben voilà! Voilà pourquoi je suis allé chercher. Ok, bon, allez. Je vais... Où est mon fucking briquet? Oui, il va y avoir peut-être beaucoup de sang pendant la vidéo, voilà. Ça se peut, mais bon. C'est le caractère des Québécois. Il y en a beaucoup qui ne sacreront pas ou qui vont bipper ça au montage. Moi, comme je fais pas de montage, je vous sors la vidéo comme qu'elle est, sans aucun secret. La seule fois que je fais, c'est des ellipses, comme en ce moment, pour le temps de miner, parce que là, ça va être long. Bon, allez, voilà, le nouveau portail. Alors, la vidéo va se terminer, dans pas long. Au moment où je rentre dans le portail, en fait, la vidéo, je vais l'arrêter. On va se retrouver au prochain épisode, on va se retrouver dans le Nether. Pour aller chercher qu'est-ce qu'il me faut pour retransformer les villageois zombies en villageois. Et je pense que derrière moi, comme vous voyez, on dirait la forme d'un casque. C'est vraiment naturel ou d'une clé, tout dépend. Je vais peut-être faire quelque chose de spécial à cet endroit-ci. Ouais. Attendez, je vais juste voir. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose d'assez spécial. Ah, peut-être. Ah! Chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais réussir à trouver. Je vais faire quelque chose ici. Alors, on se retrouve pour la partie 3. Je m'y attendais pas, moi non plus. Allez, on se fait une partie 3. Allez.